C'est l'histoire de Roger Tremblay qui était perdu. Il était pas perdu à peu près, Roger Tremblay. Il était dans le bois, tellement loin de chez lui qu'il savait même plus où c'est qu'il était. « Je vendrais mon homme au diable pour retourner chez nous, » s'écria-t-il. Le diable pas sur toi en tout, puis qui était par hasard dans le bout, apparaît soudain. « Tu veux me vendre ton âme, Roger? Si tu me dis que tu peux me ramener chez nous, je t'avais. » Assis-toi dans le canot. « Quel canot? » « Celui-là. » Un canot qui a juste d'apparaître au milieu du bois. « Mais y a pas d'eau ici, » qui dit Roger. « Assis-toi et ne pose pas de questions, » qui répond le diable. « Roger, je te propose un marché. Si tu gardes les yeux fermés, jusqu'à temps que le canot s'arrête, tu vas arriver chez vous. Puis si t'es rouge, je t'emmène jusqu'en enfer. » Roger s'assoit, puis se ferme les yeux, en jurant de pas les gros rires avant d'être arrivé. Rendu désert, au-dessus de la forêt, le diable, mané en diable. Il se met à faire plonger le canot. Roger, tout épeuré, il se rouvre les yeux pour regarder. Le canot venait d'arriver. Il était en enfer. C'était l'histoire de Roger Tremblay et de la chasse galerie.